Dans les dernières statistiques et sondages, nous nous rendons compte que plusieurs personnes, surtout les enfants dans un foyer, apprécient plus leur maman que leur papa. Et vous allez vous rendre aussi compte qu'après plusieurs années de vie, surtout pour les papas, ils arrivent à appeler également leur femme maman. Mais qu'est-ce qui peut bien être la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont le cœur beaucoup plus attaché à leur maman? C'est sûrement le fait de leur caractère maternel, de pouvoir chérir l'enfant, de pouvoir lui dire des petits mots doux, de pouvoir l'accueillir quand il rentre, de pouvoir lui faire ses mets préférés. Alors là, on a pris son enfant et l'enfant est heureux de dire: j'ai une mère, j'aime ma mère, bonne fête des mères. Mais alors, j'aimerais lever une équivoque en ce jour qui est un jour spécial pour toutes les mères. J'aimerais dire à tous ces papas qui eux aussi prennent le temps dans les foyers d'aider la maman, de parfois cuisiner, de dire aussi des mots doux aux enfants, de les encadrer, de les supporter, de leur apprendre de bonnes choses, des bonnes valeurs, de la belle manière et non de juste les gronder, etc. Ou juste de leur donner de l'argent. À ces papas-là qui ont aussi ce cœur, j'aimerais dire que nous ne pouvons pas souhaiter bonne fête des mères sans parler aussi à ces papas-là qui ont ce cœur maternel-là. En fait, la journée de la fête des mères consiste à apprécier ou à valoriser toute personne autour de nous qui a ce cœur maternel de pouvoir chérir, de pouvoir causer, entendre, écouter son enfant, toujours essayer de l'élever, toujours essayer d'être son cheerleader, celui qui le booste, celui qui fait de lui quelqu'un qui se sent vraiment un champion, vraiment quelqu'un de bien. Alors j'aimerais souhaiter en ce jour très bonne fête à tous ceux qui ont un cœur de mère, que vous soyez un papa, que vous soyez une maman, que vous soyez un homme ou une femme ayant des enfants ou pas d'enfants. Si vous avez ce cœur particulier de pouvoir aimer, de pouvoir chérir, encourager sans avoir à vous mettre en colère ou à réprimander de manière dure, alors cette fête est aussi pour vous. Bonne fête des mères.